Après le Labo Village Baïséa, incubateur de start-up tourné vers le numérique depuis 2016, Orléans Métropole renouvelle son pari avec la Green Labo Village Baïséa, une version alternative dédiée à l'innovation végétale et numérique, aux AGTech et AgriTech, au service de l'agriculture du végétal, de la cosmétique et de la pharmaceutique. Situé aux portes du bassin parisien, au sein d'un territoire agricole de référence et leader dans plusieurs filières agricoles, la Green Labo Village Baïséa a élu domicile à Orléans, au cœur du campus Xavier Belin de 7 hectares à terme, où des acteurs de renom du monde scientifique se côtoient déjà en proximité. Alors nous avons souhaité nous mobiliser pour faire émerger la Green Labo au sein du campus Xavier Belin, car en fait la Green Labo c'est un peu le petit frère du labo, l'incubateur d'innovation bien connu sur la métropole d'Orléans. Et cet équipement en fait sur 1500 m² qui est juste derrière moi, sous forme d'un hôtel d'entreprise, pépinière, incubateur, permettra d'accueillir tous les acteurs innovants, numériques, impliqués dans le digital et le végétal. Orléans Métropole a la volonté de renforcer la synergie entre le monde de la recherche scientifique et le monde économique. Et là, Orléans Métropole a un atout majeur car nous avons un écosystème unique, scientifique, de R&D avec des institutions majeures de renom international telles que le BRGM, bien sûr juste à côté, avec sa connaissance inégalée du sous-sol au niveau mondial, l'INRAE pour la gestion des sols et de l'environnement, et le CNRS pour son expertise dans le domaine de l'entomologie. Mais nous avons également la Green Tech Valley, qui est là aussi pour accompagner la synergie de tous ces acteurs, le Lab IoT, le Lab IA, le Pôle Dream d'eau et environnement, le CRESIT. Nous avons donc un écosystème riche et fécond pour attirer tous les acteurs intéressés par la GTech. Ces 1500 m² sur trois niveaux et ces futures serres connectées, allant de la recherche fondamentale à la recherche appliquée, sont entièrement dédiées aux entreprises de demain, soucieuses de répondre aux nouveaux enjeux environnementaux et sociétaux. Un projet qui a vu le jour grâce à l'investissement des collectivités pour co-construire une offre de services unique sur le territoire. Alors oui, nous avons effectivement un certain nombre de candidats déjà intéressés à venir s'installer sur la Green Labo. D'ailleurs, un certain nombre de candidatures qui viennent de l'étranger. Et donc, nous sommes assez confiants sur la montée en puissance de cet outil. Confiants tout simplement parce que nous avons déjà un savoir-faire dans l'accompagnement des entreprises avec le Labo depuis de nombreuses années. Et je crois que nous avons vraiment une offre de services unique sur le territoire national. Avant même son ouverture, la Green Labo Village Baïséa avait déjà séduit l'entrepreneuriat international et ce n'est que le début. CIBEC, c'est une start-up dans l'AGTech. Elle travaille sur les préconisations d'irrigation. Notre objectif, c'est d'aider les agriculteurs à prendre les bonnes décisions au bon moment relativement à l'irrigation. Le projet CIBEC, il a commencé en Tunisie. On a été approché par Business France et à un certain moment, on avait le choix entre 5 régions. On a choisi la région centre et précisément Orléans parce qu'il y a plusieurs paramètres qui étaient là. D'abord, l'environnement innovation et recherche. De deux, c'est une région où il y a beaucoup de cultures et un potentiel énorme en termes d'agriculture. Et également, on a été très bien accompagnés et très bien conseillés. On avait une très bonne communication avec les collectivités. Orléans, en tant que ville, c'est une ville qui est très plaisante. C'est là où il fait vraiment bon vivre. En plus, on est à 1 heure de Paris, donc on peut facilement aller voir rencontrer quelqu'un ou aller sur une exposition ou participer à une foire. Et en plus, en tant qu'environnement de start-up, par exemple au Labo et j'imagine dans le Green Labo également, il y a une équipe qui nous épaule avec une chaleur humaine qui est très intéressante dans le sens où c'est une équipe qui est très à l'écoute, qui fait tous ses efforts pour qu'on puisse réussir. Et ça, c'est quelque chose que, honnêtement, on a beaucoup apprécié sur Orléans et c'est pour ça qu'on aime bien être ici. Si vous avez un projet et si vous souhaitez développer votre start-up, être accompagné et conseillé, rejoignez l'équipe de la Green Labo Village Baïséa, un accélérateur d'entreprise au service d'une agriculture durable, résiliente et de qualité.